Mes premiers souvenirs de théâtre, c'était des réunions de Tupperware chez mes parents. Je me souviens très bien de la présentatrice. Elle était derrière la table en formica, avec toutes les boîtes posées devant elle, toutes ces boîtes en plastique vides. Je me souviens de toutes ces mères de famille extasiées devant ces boîtes magiques. Je me souviens même que la présentatrice leur disait: Tu sais, ma chérie, cette boîte, elle peut sauver ton mariage. Moi, j'étais sous la table et je jouais à la marchande avec toutes mes copines. Alors bien sûr, maintenant, ce ne sont plus des présentations de boîtes, ce sont des cours de cuisine à domicile. D'ailleurs, en 2008, début de la crise, les copines avec qui je jouais à la marchande sous la table se retrouvent, pour une raison ou pour une autre, au chômage. Et certaines passent par la vente à domicile. Et là, elles me racontent leur quotidien. En mars 2014, sortira de la boîte Stéphanie Bugeaud, qui sera l'héroïne de mon histoire, écrite par Nasser Djemaï. Alors Stéphanie Bugeaud, elle rêve. J'avais pas coupé mon téléphone. Excusez-moi. Allô? Oui, c'est moi. Oui. Vous me dites une brûlure à la main droite? Vous avez déjà une cloque? Alors, il me faut votre prénom. Votre nom. Et votre date de naissance complète. Ne quittez pas, je vous le fais tout de suite. Allô? Oui, alors, vous me rappelez d'ici 2 jours si jamais ça n'a pas séché. Non, non, de rien, de rien, de rien. Non, non, c'est gratuit, c'est comme ça. Non, non, je fais ça pour rien. Par contre, vous seriez disponible au printemps prochain? Parce que je peux organiser un cours de cuisine chez vous. Non, non, c'est gratuit. Oui, je vais faire la cuisine chez vous gratuitement. Oui, c'est une réunion. Oui, avec vos amis, votre famille, vos voisines et voisins. Formidable! Alors écoutez, on va dater tout de suite une réunion. Oui, c'est plus sûr. Alors, en mars, avril, mai, juin, c'est un peu serré parce que je suis d'abord à Valence, à Saint-Gilles-Laval, à La Mouche. À Pont-de-Claix, Saint-Priest, Villefontaine, Alençon, Saint-Jean-Bonnefonds. Ah oui, ça va être. Non, là, ça va pas être possible. Roanne. Après Thonon-les-Bains. Oui, ce serait possible. Très bien. Le 10 juin. Ah, ben, ça tombe bien. C'est ma fête. C'est la Saint-Stéphanie. Oui? Bon, ben, c'est parfait. Je note alors. Très bien. Non, non, c'est moi. Je vous remercie. Esperanza. À bientôt. Esperanza. Le bonheur en nos cœurs suit son cours. Esperanza. Esperanza. Et l'espoir est en nous, mon amour. L'amour est né de tout petit rien, de gestes anodins, prenant forme malgré nous. Mon cœur, il a fait son lit, s'est épanoui dans nos rêves un peu fous. Et pourtant, au lieu de louer la providence et cette chance bien à l'avance, tu veux savoir si plus tard je serai le même. Mais puisque je t'aime et que tu m'aimes, oublie tout pour aimer, vis le moment qui vient et n'aie pas peur de t'aimer.